Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera la petite présentation de mon studio d'airsoft. Donc comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, j'ai changé de décor. Donc je voulais juste vous en faire un petit aperçu pour que vous voyez un peu mes nouvelles conditions, on va dire, de travail, on va dire. Donc voilà, je vais vous présenter un peu le décor que j'ai fait et puis le matos que j'ai mis en place. Bon après bien évidemment je vais pas redétailler tout mon matériel d'airsoft comme ça, c'est ce que j'ai fait dans les autres présentations de mon airsoft room, etc. Donc c'est toujours le même matériel plus ou moins, donc ça sert à rien que je rentre dans les détails. Mais voilà, je vais juste vous faire un petit aperçu de mon petit studio maintenant que j'ai, même si ça n'a pas la même ampleur que la dernière fois, mais voilà, c'est pour vous faire un petit tour. Donc voilà pour ce côté-là, donc c'est un peu la partie en fait où je me mets pour faire les vidéos. Et donc là j'ai mis une petite étagère avec différentes choses, donc pour un élément de décor. Donc il y a mes répliques de poing, mes lunettes à vision nocturne, etc. Hein, c'est voilà, petit élément de décor pour que ça soit un peu plus joyeux dans les vidéos, on va dire, que ça soit pas juste un mur tout simple. Donc voilà, avec un petit néon derrière pour mettre un petit peu de couleur à tout ça. Juste devant moi, on y retrouve une grande table, on va dire. Comme ça me permet de faire déjà des vidéos quand ça sera des présentations d'accessoires, vraiment avoir de la place pour faire des plans dessus. Puis en même temps, quand ça sera des vidéos comme ça où on me voit de loin, ça me permet de poser mon matériel dessus sans spécialement qu'on le voie à l'écran. Ou mettre un peu sur le côté, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être assez utile pour moi pour les vidéos. Donc en dessous, il y a 2-3 bricoles d'airsoft hein, dans des cartons pour optimiser la place, pour ranger un peu tout ça. Voilà. Juste derrière moi, donc ici, on y retrouve mon fameux mannequin Michel. Voilà. Donc toujours avec ma tenue dessus. Et puis, on y retrouve après. Mes panneaux pour exposer un peu toutes mes répliques que j'ai dessus et puis bah, aussi pour que ça soit un peu plus joli à voir. Et donc ça pourrait faire différentes vues également pour les vidéos. Un coup vous me voyez on va dire avec l'étagère tout ça et puis le mur de pierre, mais dans d'autres vidéos si j'ai besoin je pourrais retirer la table et me mettre devant le mur de panneau pour mettre des répliques ou des choses suivant le type de vidéo. Donc on va dire, je peux avoir deux décors et ça c'est vraiment pas mal, ça permet de aussi changer au niveau des vidéos. Donc voilà pour cet angle-là. Et puis on va aller voir maintenant le dernier angle qui est juste là-haut pour vous montrer un peu la fin du studio, quoi. Donc voilà, on se retrouve dans l'arrière du studio. Donc juste derrière moi, ici on y voit une lumière, il y en a également une deuxième juste là-haut qu'on voit pas à l'écran, mais voilà, ces deux lumières-là, ça va me permettre de effacer les zones d'ombre quand je suis face à vous pour que ça soit quelque chose de plus joli à regarder, qu'on voit pas des trop de contraste, trop de zones d'ombre, etc. Que ça soit plus lumineux tout simplement à la caméra. Donc voilà. Ça c'est accroché également sur un panneau où je peux y mettre encore des répliques, des accessoires, enfin peu importe. Et donc ça si j'ai besoin je peux la retirer et la mettre autre part sur un trépied, etc. Juste en dessous on y retrouve mes deux boucliers. Et en dessous on y retrouve, là que vous voyez pas, mais il y a une mallette en bois tout simplement avec 2-3 bricoles d'airsoft dedans. Ici, on y retrouve mon deuxième mannequin avec une tenue également, hein, parce qu'on ne va pas le laisser à poil. Notre fameux Jackie. Juste au-dessus, j'y ai accroché mes 3-4 casquettes que j'ai d'airsoft, quoi, pour faire un petit peu d'éléments de déco supplémentaires, sachant que ça, bien sûr, toute cette partie-là, vous ne la voyez pas à l'écran, ça sera vraiment la partie que je vous ai présentée juste avant, qui est en face. Derrière, on y retrouve donc mon petit endroit de stockage. Donc là, on va y retrouver mes valises, etc. Les boîtes de mes répliques. Et ensuite, une commode. Donc, où dans chaque tiroir, il y a tous les trucs d'airsoft que je possède. Donc c'est beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Je ne vais pas vous re-rentrer dans les détails. Voilà, c'est ce que j'avais également avant. Mais on va dire, ça, c'est la partie
du studio que vous, vous ne voyez pas à l'écran, hein, les caméras se placent là, etc. d'habitude. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était juste vous montrer l'ensemble de mon petit coin studio où je vais faire mes vidéos maintenant. Et comme je vous ai dit, le but, c'est vraiment pas de faire quelque chose d'extrêmement joli, on va dire, dans son ensemble, comme j'ai pu faire avant dans ma vidéo d'Airsoft Room où je vous présentais un peu tout et c'était une pièce en totalité, on va dire, bah, jolie quoi. Là, c'est vraiment le but d'avoir un joli décor pour les vidéos. Donc, c'était voilà, c'était le but principal. Toutes ces parties-là, c'est mon endroit de stockage. Il n'y a pas besoin que ça soit joli parce qu'au final, vous, dans les vidéos, vous ne le voyez pas. Donc, voilà. Le dernier élément de décor, c'est le plafond. Donc, vous avez pu le voir dans la partie juste avant du décor. Donc, au plafond, on le voyait également. Là, on le voit. Donc, c'est une bâche de camouflage qui me provient du site Banggood. Alors, c'est une grande bâche de 7 mètres sur 2 mètres. Donc, il y a différentes tailles qui existent. Il y en a des plus petites. Donc, ça, c'est la plus grande. Moi, à la base, je l'ai prise pour vous en faire une vidéo et vous montrer le camouflage que ça peut faire dans n'importe quelle situation, dans la forêt, etc. Et puis, je voulais m'en utiliser, moi, pour, par exemple, l'été, hein, mettre 3-4 piquets et puis faire une espèce de tonnelle, on va dire. Comme ça, ça cacherait le soleil pour faire une zone neutre ou un autre truc du genre. Après, bah, moi, j'ai fait mon studio et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas l'ajouter en élément de décor. Donc voilà, c'est quelque chose qui rend vraiment sympa à l'œil. Et puis voilà, donc un grand merci à Banggood. Si vous voulez des infos, tout est dans la description comme d'habitude. Et donc voilà, moi, c'est un studio vraiment que j'apprécie parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour faire des vidéos et surtout de meilleure qualité pour vous qui regardez. Et je pense que l'aspect du mur de réplique, etc., pouvoir jouer sur différents éléments de décor, ça peut être quelque chose vraiment sympathique à mettre en place pour les vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis tout simplement à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous y répondrai comme d'habitude. Et puis, bah, moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao tout le monde.